Quand on reçoit une bourse d'études, on se sent extrêmement fier. On sent que tout ce qu'on fait, tous nos efforts sont récompensés, que c'est reconnu, que c'est pas juste une motivation personnelle, qu'il y a d'autres gens qui se soucient de notre succès, de notre excellence. Donc, c'est vraiment une fierté. Pour moi, recevoir une bourse, c'est une grande fierté. C'est toujours une source de satisfaction, c'est une tape dans le dos. Quand ça vient d'une entreprise privée, c'est intéressant parce que ces gens-là vont être nos employeurs dans le futur. Donc, c'est un contact qui est très intéressant à avoir avec eux pendant nos études. J'y viens du Bas-Saint-Laurent. J'ai une autre sœur qui est à l'extérieur de la maison aussi. Donc, les considérations financières, c'est quand même quelque chose d'assez préoccupant. Vraiment, ça m'aide à financer mes études carrément. Moi, dans le fond, une bourse, au-delà de l'argent, c'est un plus dans un CV. Une fois qu'on a mis ça sur notre CV et qu'on va en entrevue, souvent les employeurs nous questionnent sur ça. Donc, ça peut certainement nous ouvrir les portes. C'est quelque chose qu'on va conserver là, pour toujours, une reconnaissance et un atout à notre CV. Là, HEC Montréal est une école quand même très prestigieuse et très reconnue. Donc, je me sens vraiment privilégié d'avoir étudié ici. En même temps, de recevoir une bourse qui vient de donateurs qui font confiance à HEC Montréal, ça me fait vraiment un petit velours quand je montre mon CV aux gens. Puisqu'on sait que les donateurs sont présents partout dans l'école. La vie étudiante ne serait pas pareille sans eux.